Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de transporter un échantillon extraterrestre de l'antenne d'une base satellite à l'entrée de Corny Complex. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à une base satellite. Donc si vous ne savez pas où elle se trouve, je vous affiche une map avec toutes les bases. Donc rendez-vous à l'une de ces bases et au pied de l'antenne satellite, il y aura une sorte de boîte noire. Vous allez devoir interagir avec cette boîte noire et quand vous aurez interagi avec cette boîte noire, vous allez devoir vous rendre à une autre boîte noire qui se trouve à l'entrée de Corny Complex. Donc rendez-vous à Corny Complex comme je vous le montre dans le gameplay et ensuite réinteragissez avec la valise noire que je vous montre dans le gameplay pour déposer l'échantillon extraterrestre et peut-être terminer le défi. Alors je dis peut-être parce qu'il est marqué 0 sur 2. Alors soit quand vous allez récupérer l'échantillon extraterrestre, il sera marqué 1 sur 2 et quand vous allez aller le déposer à la valise noire qui est près de Corny Complex, ça affichera 2 sur 2 ou alors soit vous allez devoir répéter cette étape deux fois avec deux échantillons extraterrestres différents. Donc il vous faudra vous rendre à deux bases satellites différentes pour répéter cette étape et terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Donc voilà, si jamais vous en savez plus à propos de ce défi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.